OK. Donc, c'est glissant à l'extérieur. Peut-être ça ralentit quelques personnes. Sinon, peut-être pour certains, c'est le fait qu'on enregistre tout ça. Pourquoi se déplacer? Mais l'expérience est bien meilleure en personne. Quand vous allez à un concert, c'est pas la même chose le regarder sur un petit écran qu'en vrai. Je suis certain que je suis pas mal mieux en personne. Donc, on va débuter bientôt. Ici, simplement pour vous présenter un petit quelque chose. J'ai posté ça sur Piazza il y a quelques minutes. C'est quelque chose que je vais parler brièvement en classe, mais je ne souhaite pas compléter la présentation en classe. C'est un test pour démontrer certaines caractéristiques là, des appels de méthode quand il y a des paramètres qui sont des références. Donc, ça va faire suite à ce que je vais présenter dans quelques minutes. Et ce que j'explique sur le site Piazza, c'est qu'en fait, j'ai créé cet exemple-là parce que je me suis aperçu que dans les examens mi-session, il y avait certains étudiants qui faisaient un type d'erreur qui est illustré là. Okay? Donc, ici, il n'y a pas d'erreur de compilation, il n'y a pas d'erreur d'exécution, sauf que ça ne fait pas ce que le programmeur voulait que ça fasse, ce qui est assez embêtant. Puis, ce qui est particulier avec cet exemple-là, c'est que c'est typiquement mes meilleurs étudiants, ceux qui terminent avec 90 dans le cours, qui font ce type d'erreur-là parfois. Fait que c'est pas une erreur là, de débutant nécessairement. Là. Il y a un petit quelque chose là-dedans qui demande réflexion. Donc, c'est sur Piazza, puis tout ce que je vous demande, c'est essayer de prédire ce que le programme va afficher avant de le compiler. Si vous prenez ça, vous mettez ça dans un fichier, vous compilez ça, puis vous regardez ce que ça fait, ça ne va pas vous aider. Ce qu'il faut faire, c'est regarder le code, parce qu'il y a souvent des questions d'examen qui ressemblent à ça, qui sont de la forme « Voici un programme Java, quel sera le résultat affiché? » Donc, essayez de prédire ce qui va être affiché, et si vous n'obtenez pas le même résultat qu'anticipé, ben c'est là où il faut se gratter un peu la tête, puis tout le monde est invité à contribuer à la solution. OK. Est-ce qu'il y a des questions avant que je commence, des trucs qui vous bloquent? Oui. Pouvez-vous m'expliquer ce que la différence entre int avec les parenthèses carrées et pas string avec ça ici? Non. Parenthèse carrée, ça introduit toujours, ça dit, c'est un tableau. Les tableaux de Java, chacune des cellules sont contraintes à sauvegarder des éléments du même type. Quel type? Dans ce cas-là, int. Dans ce cas-ci, chaîne. Donc, ici et là, on dit arg est une référence vers un tableau. Un tableau dont chacune des cellules est de type string. Donc, si je faisais args de 2 égale, je pourrais mettre une chaîne de caractères. Ça fonctionnerait. Et de la même façon, YS était... YS ici est déclaré comme étant référence vers un tableau où chacun des éléments est un int. Donc, je pourrais dire YS de 0 égale à 0, 1, 2, 3. Tu as répondu? Comment ça va avec le devoir 1? Est-ce que vous allez tous arriver au 23 à temps, là? Ouais. Ouais. Bien, vous pouvez laisser ça. Quand vous réutilisez du code à moi,
Donc, vous ajoutez vos propres noms, puis vous pouvez me garder là. Vous êtes basé sur le code fourni par Marcel ou par Guy Vincent. Comme ça, vous êtes vraiment transparent. C'est la même chose plus tard quand vous allez aller sur Internet. Vous prenez du code qui appartient à quelqu'un. La personne a dit « Oui, oui, je vous donne la licence pour modifier mon code. » Généralement, ces personnes-là s'attendent à ce que vous… Il y a une espèce de citation où tu dis « basé sur le code de Tony et all ». OK? As-tu d'autres questions? Oui, il y en a une juste là. Les listes, il y a zéro, il n'y a rien qui touche aux listes dans ce devoir-ci. Ah, OK, les tableaux, pas les listes. Il existe en Java des listes. On va en discuter abondamment, mais je ne veux pas qu'on utilise les listes parce que pour moi, je souhaite qu'on comprenne toutes les technologies qu'on utilise. Donc, on va regarder diverses implémentations des listes, puis on va se poser des questions sur l'efficacité. Puis une fois qu'on aura vu l'implémentation, vous allez être capable de choisir l'une ou l'autre des implémentations en fonction du problème. Donc, pour moi, c'est important. Là, je veux faire de vous vraiment des ninjas. Mais les tableaux, il n'y a rien à accéder, là. C'est ici, je déclare XS comme étant une référence vers, c'est la notation crochet qui nous dit qu'il y a un tableau. Si j'ai besoin de créer un tableau, new, c'est le mot-clé pour introduire la création d'un tableau, mais il n'y a pas de liste, sinon. Donc, si je veux comparer, si deux cartes sont de la taille 2, il faut que je compare le premier élément de la première carte et le premier élément de la deuxième carte pour savoir si 2 est égal à 2, par exemple. Ah, OK. Il faut que je me souvienne, là. On a implémenté les cartes à l'aide de chaînes de caractères. Donc, si vous allez sur le site de Oracle, vous allez voir la classe String, la documentation de la classe String. OK, donc on peut le faire ici, là. Si on fait Java 8 string, un petit Google. OK, donc déjà, le premier lien devrait être ce qu'on cherche. Alors, string possède un paquet de méthodes, mais celle qui serait d'intérêt ici, ça serait char at, si on regarde, retourne le caractère se trouvant à un certain index. Donc, si j'ai une chaîne de taille 2, j'accède char de 0, j'ai le premier élément, char de 1, j'ai le deuxième. C'est bon? D'autres questions? Non. Oui. Oui. Ben, ici, il n'y a aucune comparaison là, dans l'exemple que j'ai donné. Pardon? C'est une affectation. Les tableaux sont des objets. Qu'est-ce qu'on a vu au dernier cours? Si on a deux, donc, on accède au tableau à l'aide des variables références. Si on dit, est-ce que XS égale à YS? Qu'est-ce qu'on pose comme question? Est-ce que ces deux variables-là pointent vers le même tableau ou deux tableaux différents? Si on voulait les comparer entre eux, il faudrait les traverser. Est-ce que XS de 0 égale à YS de 0? Est-ce que XS de 1 égale à YS de 1? Etc. Ce serait la façon de faire en Java, si on voulait les comparer. Oui? Là, on fait YS. YS est un tableau, c'est le temps d'un tableau. Comment est-ce qu'on fait pour créer une utilisateur hors des entiers dans le tableau YS? Bien, ici, ça me préoccupe pas tellement.
C'est souvent une question qui revient. On me demande comment est-ce qu'on fait l'entrée de données. J'ai deux réponses à ça. L'une, c'est il y a une petite classe qui s'appelle Scanner qui permet de lire des choses, mais moi, j'aime vraiment pas la lecture des données. De nos jours, là, les programmes informatiques, ils lisent pas des données d'usagers. Les programmes informatiques, ils sont dans le microprocesseur de l'injection de votre voiture, dans la direction assistée, dans le code qui contrôle l'Airbus 380 qui passe au-dessus de nous. Les programmes fonctionnent de façon autonome. Ils n'obtiennent pas les données. Donc, moi, je ne suis pas un grand fan de la lecture des données. J'ai 3 terabytes de données à lire. Je ne vais pas demander à l'usager, « Pourrais-tu, s'il te plaît, taper ça? » Je vais les lire à partir d'un fichier. Et toutes ces lectures-là sont compliquées. Demande les exceptions. Le laboratoire 8 les présente. C'est tellement compliqué en Java qu'on fait ça au laboratoire 8. Ça nous demande pas mal d'éléments avant d'y arriver. Est-ce que ta question est en fait liée au devoir? Oui. Okay, parce que dans le devoir, il n'y a aucune lecture. Il n'y a aucune lecture. À la fin, peut-être... OK. Je vais lancer mon ordinateur, puis je vous montre un petit quelque chose, OK? OK, donc il faut regarder attentivement parce que c'est la solution pour le devoir. OK, donc je vais partir de ça. Je vais sauvegarder ça dans test. Je vais virer ça. Je vire tout ça. Donc ça, c'est tout le temps votre point de départ, oui. On va s'assurer que ça fonctionne. OK, donc je compile. Donc si je vais sur... Dans un terminal, on va mettre ça plus gros. Vous voyez derrière? C'est assez gros? OK. Donc, CD, je m'en vais sur mon desktop. Java C, test, .java. Bravo, Marcel n'a pas fait d'erreur. Java, test, évidemment, mon programme, il fait rien, mais quand même, il fonctionne. 1, 2, bleu, true. Les éléments que je mets ici, ouais. Le système d'exploitation va me les donner dans mon programme. Il me les passe dans le tableau qui est là. Il n'y a rien à lire. C'est fait pour moi. Là, vous me dites, je ne te crois pas. C'est pas vrai. OK? For int i. Égal 0. Voyons, tabarnouche. Égal à 0. I plus petit que args.length. I plus plus. Comme ça. System out. Print line. Args. De I. OK, si ce que j'ai dit est vrai, donc on va... Yep. OK, on va exécuter ça une première fois. On va recompiler la chose. Bravo, Marcel, tu n'as pas fait d'erreur. On exécute. Oh! C'est vrai. Ce que j'ai rentré sur la ligne de commande, 1, 2, bleu, true.
Ah, puis vous voyez, c'est sur des lignes séparées. 1, 2, bleu, true. M'a été donné dans le tableau args G. Le système d'exploitation, il a lancé la machine Java virtuelle. Il a dit « execute test », puis tout ce que j'avais mis sur la ligne de commande, il me l'a mis dans le tableau. Fait que ça, c'est beaucoup plus simple que lire. Il n'y a pas rien à faire. Oui? Les arguments, c'est tout des strings? Oui, oui. Ben oui, tu vois, c'est ce qu'on parlait au début du cours, que args est une référence vers un tableau de chaîne. Ça veut dire que chacun des éléments est une chaîne. Mais là, à partir de là, quand j'ai parlé des classes enveloppantes, les wrappers, dernier cours, j'ai dit « Ah! Integer, c'est le meilleur endroit pour mettre des outils. Un des outils, c'est parseInt. ParseInt reçoit une chaîne, retourne un entier. » C'est la solution est là, là. OK? OK, je n'ai assez dit, je pense, là. De toute façon, tout ça va se retrouver, j'ai pas le choix, à moins que j'édite le vidéo. Tout ça va se retrouver sur le site cet après-midi. OK, donc. Je pense que je vais laisser ça là. Ah, OK, fait que on va fermer ça. On va transférer ça ici. Puis on va commencer. OK. Je vous avais dit, on va compléter l'exemple appel de méthode lorsque les paramètres sont primitifs versus référence. On a déjà fait le cas où le paramètre était de type primitif. Je pense que c'est super important. En programmation, on fait des appels de méthode vraiment, là, c'est essentiel, hein? C'est assez de base. C'est important de comprendre comment ça fonctionne. Donc, j'ai une première méthode, je l'appelle applante, on appelle une autre, disons l'appeler. L'applante stoppe son exécution, on crée un bloc de mémoire de travail pour la méthode qui va être appelée, on copie les paramètres de l'applante vers l'appeler. On exécute la méthode à exécuter. S'il y a une valeur de retour, elle va être sauvegardée. On détruit la mémoire de travail associée à l'exécution de cette méthode-là, celle qu'on vient d'appeler. Retour à l'endroit où on avait stoppé l'exécution de la méthode appelant. Donc, on a vu avec un premier exemple ici où incrémente a un paramètre qui est de type int, donc primitif. On a fait l'appel ici. On a pris le paramètre actuel A. On l'a copié dans le paramètre formel A. On a donc pris le 5. On l'a copié ici. C'était une copie. Quand incrémente travaille sur A, incrémente travaille sur la variable qui est dans son bloc de mémoire de travail. Quand on a retourné le contrôle ici après l'exécution d'incrémente, on n'avait jamais touché à la variable A de la méthode principale, donc ce code-là affichait 5 et 5. Deuxième exemple, celui que j'avais brièvement introduit, il ressemble à ça. J'ai une petite classe que j'appelle MyIntegr. Les objets de la classe MyIntegr ont une variable d'instance value. On sauvegarde une certaine valeur dans cette variable d'instance-là au moment où on crée un objet de la classe. J'ai un test. Il y a deux méthodes. Une méthode incrémente, une méthode principale. Quand on fait Java, nom d'une classe, la machine Java virtuelle regarde la liste des méthodes,
elle cherche une méthode dont le nom est main et dont la signature est référence vers un tableau de chaîne. Elle l'exécute. Ici, je crée un objet de la classe myInteger. Donc, new regarde le type myInteger. Parfait, je vais voir la classe myInteger possède une variable d'instance. Excellent, je réserve un espace mémoire pour une variable de type primitif int. Appel au constructeur, je passe la valeur 5. Appel au constructeur, je passe la valeur 5. Sauvegarde la valeur 5 dans value. Le résultat de new, c'est la référence de l'objet sauvegardée dans la variable a qui est de type référence vers un objet myInteger. SystemOutPrintLine suit la référence A. Dans l'objet désigné, on trouve une variable qui s'appelle value. Prends cette valeur-là. On va donc afficher before 2.5. Je fais un appel à increment. Il y a donc un nouveau bloc de travail qui est créé pour l'exécution de increment. Ce bloc-là contiendrait les variables locales, s'il y en avait, il n'y en a pas ici, et contient les paramètres. Il y en a un seul. Il y a donc le paramètre A. Ça, c'est la mémoire de travail. De increment. Au moment de l'appel, on copie la valeur du paramètre actuel A, celle-ci. La valeur, c'est ce qui est dans la boîte, c'est la flèche. On la copie. Donc, le A du haut, c'est le paramètre ici. Le A du bas, c'est la variable locale de main. On a copié le contenu du A ici. Dans le A en haut, ce sont deux variables distinctes, mais toutes les deux ont le même contenu. Ils désignent le même objet. On exécute la méthode incrémente. Ça dit, suit la référence A. Incrémente, quand on parle de A, c'est celui-ci, celui d'en haut. On suit la référence, on arrive dans cet objet-ci. On prend la valeur qui s'y trouve, 5, on y ajoute 1, ça devient 6. Donc ici, ça, si vous ne saviez pas, c'est la même chose que a.value égale a.value plus 1. OK? Donc, on a maintenant 6 dans la variable d'instance value de l'objet désigné par A. On a terminé l'exécution de la méthode incrémente. Parfait. On retourne le contrôle à la méthode principale, là où on avait laissé. On exécute la ligne qui suit. Ça dit, va dans l'objet désigné par A et extrait la valeur value. Quand je vais dans l'objet désigné, j'ai la valeur 6, puisque principal et incrémente parlaient tous deux du même objet. Et donc, ce truc-là va afficher after 6. C'est bon? Oui? Si on prend les deux précédents, c'était 5, 5. Oui. C'est qu'on parlait, c'était quoi la différence entre ceci? Ici, cette méthode-là et celle-ci parle du même objet. J'ai deux variables A, mais ce sont des variables références. J'ai pris le contenu de la variable A de main, je l'ai copié dans la variable A d'un increment. C'est une copie.
mais les références sont les adresses, l'endroit en mémoire où l'objet a, où l'objet avait été sauvegardé. Ainsi, quand increment a ajouté 1 à a.value, on parlait du même objet. Donc, A, c'est la même adresse. Le contenu. A, c'est pas une adresse. A est une variable référence. On peut y mettre la référence, c'est-à-dire l'adresse d'un objet. Cette variable-ci et cette variable-là ont le même contenu. Si tu imagines que les positions ici sont des places en mémoire et que la position 0, c'est une certaine variable A, je vais là, ça me dit, il y a la valeur 10. À 10, ça me dit, puisque c'est une référence, ça me dit, va maintenant à la position 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, première personne là, a l'objet. Si j'avais pris cette valeur 10-là, puis je l'ai copiée ici, cette variable-là et cette variable-là ont toutes les deux la valeur 10 à l'intérieur, ce sont des références, ça me dit, va à la position 10 de la mémoire et ajoute 1. Que j'ai utilisé cette variable-là ou celle-ci, dans les deux cas, je suis allé à l'adresse 10 et j'ai changé le contenu. Non, le cas précédent était vraiment différent. C'était primitif. Donc, quand c'est primitif, on copie ça, on l'a mis ici. J'ai 5. On dit A égale à A plus 1. Je mets 6 ici. C'est dans la boîte. Je n'ai jamais touché à ce A-là. Quand j'ai terminé l'exécution ici, je reviens, je reprends le contrôle là. Ce A-là n'avait jamais été touché. OK? Je voulais... Tu jouerais avec un peu. Oui. Derrière, il y avait une question. Ouais. Pardon? Ah, vous ne voyez pas? Ah. OK, c'est gelé. OK. On réessaie? Ça, tu vois. On voit. OK. Il faut m'alerter effectivement. All right. Donc, on a un certain A ici. C'est dans le bloc de mémoire de travail. Domain. On appelle increment. On crée donc un bloc de travail pour increment. Il faut que chacun ait leur mémoire de travail. Ça ici, c'est donc mémoire de travail pour increment. Mémoire de travail, c'est toujours les variables locales et les paramètres. Il n'y a pas de variable locale, mais il y a un paramètre, puis il s'appelle A. Les appels de méthode se font toujours par copie. Je prends le contenu de ce A-ci, 5. Je le copie dans le paramètre. J'exécute le code. A égale à A plus 1. Quand incrément parle de A, c'est celui-ci. J'ai 5, j'ai ajouté 1, ça fait 6. Je remets ça dans A, j'ai 6 là. Termine l'exécution d'incrément. Le bloc de mémoire disparaît. Je reprends l'exécution de la méthode principale. Quelle est la valeur de A dans la mémoire de travail? De la méthode principale, 5. OK? Je pense que ça tombe sous le sens qu'il y a quelque chose de super important là à comprendre. Des questions? Oui? Pourquoi en fait ça, le cas-là, pourquoi le A ne devient pas 6? Ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Oui. C'est-à-dire que le A qui est défini dans la méthode main,
Absolument. Le A de main est dans la mémoire de travail de main. C'est comme la tête de ton copain à côté. Toi, tu as A, lui, il a A. Toi, tu lui dis, garde, ma valeur de A, c'est 5. Lui, il la met dans sa tête. Dans sa tête, il fait A plus 1, il y a 6 dans sa tête. Il ne dit rien. Qu'est-ce que tu as dans ta valeur de A? 5. Même chose, même chose. Chaque méthode a une mémoire de travail. Mémoire de travail, c'est variable locale, paramètre. Ça explique d'ailleurs pourquoi la récursivité fonctionne. Oui? OK. Donc, dans le cas où, dans la première méthode, on avait le return, si on avait return dans la première méthode, ouais. Dans la méthode main, le A allait être ici. Bien, seulement si, regarde, si je prends ton exemple, tu me dis, si j'ajoute à la fin, là, return, ah, c'est ce que tu me dis? Si je fais que ça, est-ce que tu penses que tu vas avoir 5 et 6? Il faut un récipient. Il faut dire, ah, il faut dire ici, A égale A. Il faut que, je dépose quelque chose dans ce A-là, celui qui est dans, le truc des deux têtes, pour moi ça marche, là, je pense. J'ai une tête pour main, une tête pour incrémente. Dans ma première tête, j'ai A égale à 5. Je lui passe ça, je lui dis, c'est 5. Je lui dis, OK, mon A égale à 5. Dans sa tête, il fait 5 plus 1 égale 6. S'il ne me le dit pas, il n'y a rien qui se passe. S'il me le retourne, mais je n'écoute pas, il ne se passe rien. Il fallait donc que je sois réceptif. J'écoute ce qui revient, je le sauvegarde dans ma propre méthode. Oui, une dernière. Non. Si c'est primitif, non. D'où l'importance, justement, de bien comprendre ces idées-là. La méthode incrémente est absolument incapable de modifier le A de même. En Java, impossible. Si c'est primitif. C'est bon? OK. Donc là, je pense qu'il est temps qu'on parle d'objets. Okay, ça fait un petit moment là que on joue avec des choses de bas niveau. On va parler d'objets. Donc, on a un peu mis la table. Là. Il y a toujours un problème d'œuf et de poule. Là. On a parlé de variables, de types, d'appels de méthodes. Donc, on a parlé de ces choses-là de bas niveau. Là, on va faire l'extrême. On va parler d'objets, mais vraiment, on va commencer à très haut niveau pour essayer de bien saisir qu'est-ce que la programmation objet. On va passer 3, 4, 5, 6 cours sur sur différents aspects des objets. Donc, attendez-vous pas à ce que, après ce cours-ci, on ait touché à tous les éléments. Variables d'instance, variables de classe, modificateurs de visibilité, héritage, tout ça. Il y a beaucoup de sujets. Ça va venir. Mais je parle à un certain débit. Là. Je ne peux pas parler plus vite que ça. Puis probablement que votre cerveau aussi ne peut pas aller plus vite que ça. Donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi l'orienter objet. Donc, ce n'est pas tous les langages de programmation qui sont orientés objet. Certains de mes langages de programmation favoris
Par exemple, Scala sont des langages fonctionnels. Un autre langage de programmation que j'adore s'appelle Prolog, est un langage logique. Ces deux langages-là ne sont pas des langages objets. Ils ont des façons de penser différentes. Donc, tous les langages ne sont pas nécessairement orientés objets, mais Java est un langage de programmation orienté objet. Donc, il est vraiment essentiel de comprendre cette idée-là d'objet. C'est clair que c'est au cœur de tout, c'est central, il faut comprendre ça. Est-ce que quelqu'un pourrait déjà m'aider un peu avec ça? Parce que vous avez parlé un petit peu d'objets en 15-20. Ceux qui ont un autre parcours ont aussi vu un peu d'objets. Qu'est-ce que la programmation orientée objet pour vous? Oui? OK, donc il y aura des objets à qui on peut demander de faire des actions. Les objets auront des comportements. OK. Pourquoi c'est une bonne idée de faire ça? Pourquoi l'orienter objet? Oui. Ça permet de travailler avec grosses équipes. Ça permet de travailler avec des grandes équipes sur des projets. Pourquoi? OK, donc ça, c'est une super bonne réponse. Il y a, derrière l'orienté objet, il y a une idée d'encapsulation. Il y a une idée qu'on peut prendre un grand projet, un jeu vidéo, le décomposer en sous-systèmes, puis demander à des équipes indépendantes de coder ces objets-là. Les équipes vont s'entendre sur l'interface entre ces objets-là, vont dire, d'accord, un joueur possède une méthode play, reset, battle, etc. On va dire quels sont les comportements de l'objet. Il y aura une autre partie de l'équipe qui va travailler sur la scène, le rendu visuel. Une autre équipe va travailler sur l'intelligence artificielle, etc. On va diviser le travail. C'est vraiment une des très grandes forces de l'orienté objet. Il y a une autre force que je trouve super intéressante. Est-ce que vous avez déjà rencontré, dans un bar ou autre, une boucle for? Un énoncé if. Oui. Vous pouvez essayer ça, vous allez j'ai essayé là, dans les bars, ça ne marche pas. Tu rencontres une fille, tu dis as-tu déjà rencontré un énoncé if là? Tu manges une baffe, là, ça ne marche pas. La programmation, c'est abstrait. C'est abstrait. Des boucles if, des énoncés de branchement. J'ai dit boucle if. Des énoncés de branchement if, des boucles for, etc. Est-ce qu'il y a des ingénieurs civils dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en génie civil? Un, deux. C'est correct. En génie civil, certains ingénieurs vont dessiner des ponts. Y a-t-il quelqu'un qui a jamais vu un pont? Si oui, là, on va y aller après le cours ensemble. On va aller voir le pont sur Somerset, là. Un pont, tout le monde a dans sa tête un modèle. Un pont, là, pas aller dessus, on saute. Ah, il est solide, ce pont-là, ou il est un peu élastique. On peut y toucher, le visualiser, on peut le dessiner. C'est concret, un pont. Boucle for, énoncé conditionnel. L'orienté objet a ce truc-là qui est vraiment intéressant. Ça va nous permettre de faire des dessins, de dessiner puis de dire, il y a un objet ici, il y a un objet là. Celui-ci a ce comportement-là, celui-là a ce comportement-là. Celui-ci appelle celui-là. Vous allez voir que c'est très naturel. Pensez à Amazon.com, OK?
OK? Tout le monde connaît, je pense, les sites où on peut acheter des livres, de la musique, ce genre d'idées-là. OK? Amazon.com. Vous êtes, on vous a donné une promotion, vous êtes maintenant programmeur, je pense qu'ils sont à Seattle. Vous êtes programmeur là-bas, salaire de 140 000, ça c'était votre première année. On vous demande de travailler sur le site Amazon.com. Qu'est-ce que vous pensez sont les concepts importants? Les choses à représenter dans l'ordinateur. Qu'est-ce qui vous vient rapidement à l'esprit? Amazon.com. Le un chariot. Oui, l'idée de shopping cart. Oui? Il y a des items, par exemple, des bouquins à vendre. Il y a des items, il y a un shopping cart. Oui? Il y a des paiements, on peut modéliser les paiements, les transactions. Il y a un objet de transaction, c'est un total de 120 et 46 sous à envoyer chez Visa. Il nous manque, oui? Les objets sont divisés en catégories et sous-catégories. Probablement qu'il y aurait ça, mais on va rester plus assez simple. Il nous manque au moins une chose, oui. Il y aurait une interface graphique et plusieurs éléments, mais il nous manque quelqu'un là-dedans, là. Oui? Pardon? Ah, il y a un engin de recherche qui va être connecté à un inventaire. Oui? On fait des achats. Il y aura des achats, oui. Les comptes. Il y a des comptes. Le compte appartient à qui? À des utilisateurs. À des utilisateurs, OK. Donc, il y aura certainement... Il y aura certainement un utilisateur... Il y aura des items. Il y aura un inventaire, etc. Donc, on les voit. On voit les objets du système. On peut aller plus loin. Un utilisateur, qu'est-ce qu'on va mémoriser d'un utilisateur? Je veux juste savoir qu'est-ce qu'on va mémoriser de l'utilisateur. OK, oui. Son nom. Ses données personnelles. Son nom, email. Le truc le plus important de l'utilisateur? Son numéro de carte de crédit. Tout le reste, on s'en fout. Un item, qu'est-ce que ça a un item? Une description, peut-être une photo, description, un prix, etc. Inventaire, ce sera quoi? Il y aura peut-être une référence vers un tableau, puis mon tableau va être des références vers des items. On va avoir un inventaire et une collection d'items. OK, donc... Il est simple de rapidement identifier les objets. Pour chaque objet, on est facilement capable d'identifier ses propriétés. Puis, il est facile d'identifier même les comportements. Qu'est-ce qu'on ferait? Ah, il y en avait un super important que j'ai oublié. Le panier. Panier de l'usager. Quels sont les comportements d'un panier? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un panier? Oui? Probablement qu'il y aura des références, mais ici, je suis au niveau des comportements. Qu'est-ce qu'on peut demander à un panier? Oui? Ajoute. Donc, on aura quelque chose comme ajouter. On aura probablement retirer. Oh mon Dieu, j'ai ajouté 100 livres. Non, je n'ai pas besoin de 100 livres. J'en veux juste un. Retirer. Qu'est-ce qu'on voudrait du panier? Calculer le total. OK. Get total, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on veut comme comportement d'un utilisateur? Oui?
OK. Valider. Peut-être qu'on voudrait changer son nom. Change prénom, change nom de famille, change courriel. Inventaire, on voudra peut-être retirer de l'inventaire, ajouter dans l'inventaire. OK, donc, facile d'identifier les objets, facile d'identifier leurs propriétés, facile d'identifier leur comportement, facile d'identifier les relations entre les objets. Un utilisateur a un panier à tout moment, oui. Il est inutile d'en avoir. Un panier a plusieurs items. 0, 1, 2, autant qu'on en veut. Un inventaire a plusieurs items. Donc, on peut identifier les relations entre les objets. Donc, c'est ça qui est assez intéressant avec la programmation orientée objet. Ça nous permet de visualiser et de rendre concret une activité qui autrement est très abstraite. Je vais me déplacer dans ma présentation parce que je suis allé un petit peu vers l'avant. Là. OK, donc, en fait, on aime tellement ça dessiner quand on fait de la programmation orientée objet, qu'il y a un langage qui s'appelle UML, qui veut dire quelque chose comme Unified Modeling Language, qui nous permet de dessiner ces choses-là. Dans ce cours-ci, on va principalement utiliser les diagrammes de classe, où on va dire, on va donner le nom de la classe dans la case du haut. On va donner les propriétés dans la partie du centre, puis on va donner les comportements dans la partie du bas. Okay? Donc, il y a un langage qui nous permet de dessiner les classes des objets. Il y a le nom, il y a les propriétés et il y a les comportements. Et essentiellement, c'est ça la programmation orientée objet. La programmation, de façon générale, c'est il y a des données puis il y a des traitements sur les données. C'est aussi bête que ça. La programmer, c'est il y a des données puis on veut les transformer. Il y a plusieurs façons de programmer. L'orienté objet dit pour qu'on ait des programmes qu'on puisse facilement diviser entre les équipes, pour qu'on ait des programmes qui sont faciles à modifier à travers le temps, on va mettre dans une même unité les données et les méthodes qui les transforment. Ça va devenir comme des boîtes noires. On a déjà parlé depuis le début du cours de la classe String, chaîne. On peut créer une chaîne de caractères, puis une chaîne de caractères a des comportements. Au début de la leçon, on a parlé de char at. On peut demander à l'objet, retourne-moi l'élément qui se trouve à un certain index. On peut lui demander de me retourner sa longueur, etc. Donc, c'est l'orienté objet met dans une même unité les données et les méthodes qui les transforment. OK, donc aujourd'hui, on va vraiment s'attarder à cette idée-là. Les objets ont des propriétés et des comportements. On veut, dans un système logiciel, modéliser le temps. J'ai un temps de départ, un temps de fin. La classe a débuté à 11h30, se termine à 13h. Quelque chose comme ça. Il y a un temps de départ, un temps de fin. J'ai donc besoin de deux objets. Il y a deux choses à mémoriser. Chacun de ces objets-là doit mémoriser heure, minute, seconde. J'aurai possiblement ces trois propriétés-là pour chacun des deux objets.
les comportements, je pourrais demander à ces objets-là quel est le nombre d'heures représentées, quel est le nombre de minutes, quel est le nombre de secondes. Est-ce que je peux changer le nombre d'heures, le nombre de minutes, le nombre de secondes? Est-ce que je peux ajouter une seconde? Donc, il y a des comportements, il y a des données qui sont les propriétés, il y a des comportements, c'est-à-dire on les appelle des méthodes, c'est des fonctions qui transforment les données. Ça vous va? J'ai bien vendu l'orienté objet, vous allez acheter de l'orienté objet. Une autre façon de voir l'orienté objet en Java, c'est l'orienté objet nous permet de définir des nouveaux types de données. Ah ouais? Et là, vous pensez, je suis en train de programmer une nouvelle application, puis je me dis, ça serait vraiment utile s'il y avait un type de données pour représenter le temps. Imaginons que ça n'existe pas. Mon langage de programmation n'a pas une représentation du temps. J'aimerais être capable de déclarer des variables de type temps. Je pourrais créer un nouvel objet temps, puis lui dire, ça c'est le temps de départ. Je crée un nouvel objet temps, c'est le temps de fin. Quand on a parlé de type, on a dit, les types ont une représentation en mémoire, puis des opérations valides. Les représentations en mémoire, ce sera nos variables d'instance. Les opérations valides, on va les définir nous-mêmes. Chaque fois qu'on définit une nouvelle méthode d'instance, on dit, voici une opération qui est valide pour ce type-là. Par exemple, on pourrait, j'ai un exemple un petit peu plus loin dans la présentation, je suis en train de travailler sur une interface graphique ou un problème graphique. J'ai besoin de représenter des points dans un espace à 2D. Ce serait intéressant que le langage ait un type de données qui s'appelle point. J'aimerais ça être capable de créer un point A, un point B. J'aimerais être capable de demander au point A, quel est ton X? Change ton X ou ajoute un certain delta à ton X pour qu'il se déplace. Ça, c'est des opérations. Je voudrais donc des objets points qui mémorisent un X et un Y, propriété, et qui ont des opérations. Get X, get Y, set X, set Y, translate. Je vais définir avec des méthodes des opérations pour le type. Okay, donc, c'est deux façons peut-être de voir l'orienté objet. C'est la même chose, mais on le regarde de deux façons différentes. Ce qui va être clé dans tout ça, c'est que les classes vont être les gabarits. On dit, OK, une classe point doit avoir un X et un Y. Donc, les objets de la classe point auront un X et un Y. On va donc décrire l'aspect des objets qui vont être créés de la classe point. Donc, on va écrire classe point. On va dire un point, ça a un X et un Y. Ça a un get X et un get Y. Donc, la classe, c'est le gabarit, le modèle qui décrit le comportement et les propriétés de chaque objet. Moi, je vois ça comme je peux prendre la classe, boum, je fais une instance, boum, j'en fais une autre. C'est le moule qui me sert à créer les objets. Par exemple, ici, je peux dire, j'aimerais déclarer un nouveau type qui serait entier. Un entier mémorise une seule valeur. Je voudrais que les opérations soient get value et plus. Je voudrais être en mesure d'ajouter un entier à un autre. Je peux déclarer ça comme ceci. Classe, entier, sauvegarder dans un fichier qui s'appelle entier.java. Il y a une seule variable ici, on les appelle variables d'instance. Ça veut dire que chaque objet qui est créé de cette classe-là possède sa variable value. Ça, bientôt, on va appeler ça un constructeur. Ça me permet de prendre une valeur initiale puis de la sauvegarder dans la variable d'instance value. J'ai un comportement, j'ai une méthode qui s'appelle getValue.
et retourne la valeur de la variable d'instance, value. J'ai un autre comportement, plus, qui reçoit en entrée, en paramètre, la référence d'un autre objet de cette classe-ci, qui extrait la valeur de cet autre objet-là, l'ajoute à celui-ci, sauvegarde ça dans une variable locale sum, crée un nouvel objet et retourne sa référence. Ayant mis ça dans un fichier qui s'appelle entier.java, je l'ai compilé, je viens de définir un nouveau type. Ah ouais? Qu'est-ce que ça veut dire définir un nouveau type? Ça veut dire maintenant que je peux déclarer des variables références de ce type-là. A, B et C sont des variables références de type entier. Ça veut dire que je peux utiliser ces variables-là pour pointer vers des objets qui ont été créés de cette classe-là. Ici, je crée un objet de la classe entier dans lequel je mets dans sa variable d'instance value la valeur 10, résultat est sauvegardé dans la référence A. J'en crée un autre. B désigne un objet de la classe entier qui possède sa propre variable d'instance value qui a 5. Ici, ça arrive ça assez souvent, je vous avertis. Pas de panique. C'est multi-touch. OK. On recommence. Donc, on appelle la méthode plus, l'opération plus, de l'objet désigné par A. Ah, parfait, je m'en vais dans l'objet désigné par A, je suis ici. J'exécute plus. OK. Plus un paramètre other. Donc, la méthode plus qui est ici, other point vers B. On retourne ici, on a dit prends other point value et value. Prends other point value, 5, et pour le plus qui est exécuté dans cet objet-ci, value, c'est 10. 10 c'est 5, 15. Je mets ça dans sum. Je crée un nouvel objet. Parfait. Nouvel objet a été créé. Et je lui ai dit à cet objet-là, ta variable d'instance value. Donc, si je vous montre sur la page précédente, je crée un nouvel objet dans ma méthode plus. Je lui passe la somme. Nouvel objet a été créé. Sa variable d'instance value, on lui a donné la somme. La somme, c'était 15. La méthode plus retourne la référence de cet objet-là. Parfait. Retourne. Ici, on sauvegarde ça dans C. Variable référence C pointe vers cet objet-ci. Oui. Ah, bien, s'il y en avait plus, le code serait, je vais avoir un exemple un peu plus loin où j'ai un point, puis je le déplace, je pourrais le déplacer en X et Y. Fait que là, je pourrais avoir translate, je lui donne une valeur de X, une valeur de Y, il va ajouter à son X le premier paramètre et le Y à son deuxième. OK, donc je vais te revenir dans quelques minutes là-dessus. OK? OK. Donc, mais là, ici, ce qui était important, c'était de voir comment j'ai défini un nouveau type. Je peux maintenant déclarer des variables références de ce type-là. Et mon type a des opérations. J'ai une méthode plus, donc l'opération plus existe. Elle a été définie.
Oui? Non, ce ne sont, c'est vraiment, ça c'est crucial, c'est une très bonne question. Si tu utilises ce vocabulaire-là, puis tu dis A, B, C sont des objets, ce que tu as en tête, c'est ça. Et ce n'est pas ça. Les variables sont des variables référence, peuvent pointer vers des objets. A, B, C ne sont pas des objets, ce sont des variables qui peuvent pointer vers des objets. L'objet, c'est un concept qui a à la fois des variables d'instance, des propriétés, et des méthodes. C'est l'unité de base en Java. Tout est, la plupart des tout ce qui n'est pas primitif est objet. Tous les objets ont des variables d'instance et des méthodes. Oui, au centre. Elle a été créée, oui, sur la page d'avant. Pardon? Oui, donc, pour que... Si vous êtes le compilateur et que vous regardez cet énoncé-ci, ça dit A est de type entier. OK. Est-ce que l'opération plus existe pour un entier? On va voir la classe. Ah, oui, je la vois. Si tu avais, si maintenant on faisait, avec l'exemple qui est là, si on faisait... A.sub pour subtract, il me dirait, non, sub, je ne le vois pas. Il n'est pas défini l'autre côté. Super. OK. Je le place vers l'avant. OK. L'exemple le plus... simple pour moi, c'est celui-ci. J'aime aussi l'idée de penser que quand on programme en orienté objet, on modélise des choses. J'aimerais que mon programme Java soit une très bonne modélisation du concept de compteur. Ce que j'ai en tête, là, c'est vraiment un compteur physique qu'on utilise, par exemple, parfois dans les sports pour compter, par exemple, au baseball, les prises et ces choses-là. Donc, j'ai vraiment un objet. Pour moi, là, il est solide. Il ressemble à ça. Je veux modéliser ça. Un compteur possède ou mémorise une valeur. Je peux consulter la valeur parce qu'il y a une petite fenêtre. Il y a quelque chose qui me permet de voir sa valeur. Et si je veux incrémenter la valeur, il y a une seule façon de le faire. Il faut que je pèse sur le bouton du dessus. Et le comportement va être que ça va ajouter 1 à la valeur du compteur. Si je veux ajouter 5, qu'est-ce que je fais? On presse 5 fois. Je veux un programme Java qui va modéliser ça. On va y ajouter un dernier élément. Je voudrais être capable de remettre à 0 le compteur. Puis là, je veux faire mon meilleur effort à modéliser ça. C'est simple? Oui. OK, donc il y a une fenêtre pour lire la valeur. Il y a un bouton pour incrémenter, puis un autre bouton de remise à 0. Il y a une seule valeur. Pourquoi est-ce que je ne déclarerais pas tout simplement C1 de type int? C1 est maintenant une variable dans mon programme d'un type primitif. C'est un type qui me permet de sauvegarder des entiers. Je devrais être capable de faire tout ce que je veux. Je peux dire C1... est égal à 0, C1 est égal à C1 plus 1, etc. Je veux plusieurs compteurs. Int, comme ça, CTS,
CTS est égal à new int 5. J'ai maintenant 5 compteurs. Qu'est-ce que vous pensez de mon effort à modéliser le compteur? Ça marche-tu? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pardon? Non, non, non. Disons, oublions le tableau. Là, le tableau, c'était juste j'en voulais plusieurs. J'ai C1 de type int. Moi, je prétends que j'ai fait le travail. Oui. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça serait mieux? Oui. Regardez, ici, il y a plusieurs problèmes. Moi, je vous ai dit, le compteur, il est toujours positif. Puis, quand je pèse sur le bouton, la valeur augmente de 1. Non, là, il est possible d'augmenter de 5. Je peux même écrire des bêtises comme C1 est égal à moins 99. Je n'ai rien modélisé de ce qu'on voulait modéliser. Je n'ai pas quelque chose qui me permet de lire une valeur, qui me garantit qu'il est impossible de changer la valeur pour qu'elle devienne négative ou de changer sa valeur de plus qu'une unité à la fois. Il n'y avait pas cette possibilité-là. En plus, si vous y pensez avec l'exemple du départ où si je passe mon compteur à une méthode, cette méthode-là fait des modifications, je ne suis pas averti de ça. Il n'y aura aucun effet sur le code appelant. Donc, en Java, on peut très bien modéliser ce concept-là à l'aide de classes. Donc, classe counter, un compteur doit mémoriser une valeur et a une valeur initiale de 0. Au prochain cours, on va voir qu'il y a ce qu'on appelle des modificateurs de visibilité qui vont faire en sorte que si on est à l'extérieur de la classe, il est impossible de toucher à ces variables-là. On essaie, puis ça va dire « non, je refuse de compiler ce code-là ». Il est illégal, il tente de modifier une variable qui est privée. On force ici vraiment le concept d'encapsulation. J'ai une propriété, mémoriser une valeur, et j'ai trois comportements. GetValue, ça me permet, pour moi c'est la petite fenêtre, ça me permet de lire la valeur. J'ai une référence A vers un objet compteur, getValue me retourne la valeur qui est sauvegardée dans l'objet. Une copie de la valeur. C'est primitif, c'est une copie de la valeur. J'appelle la méthode increment. On prend la valeur qu'il y a dans la variable d'instance value, on y ajoute 1, on la remet dans la même variable. Et j'ai reset. Donc là, la classe, ici, c'est le moule, c'est le gabarit, c'est le modèle pour créer des objets de la classe counter. Chaque objet qu'on va créer de cette classe-là possède une variable d'instance, une variable pour mémoriser sa valeur. C'est important que si je crée deux compteurs, A et B, donc j'ai référence A, référence B. Chacune d'elles pointe vers des objets distincts qui ont leur... Chacun de ces objets-là possède une variable d'instance value. Si je fais A.increment, je vais dans l'objet désigné par A, il y avait 0, la méthode increment va déposer 1. On voit bien que si j'ai fait A.increment, j'ai changé seulement la valeur de la variable value de cet objet-ci. Celui-là n'a jamais été touché. Je fais maintenant deux appels B.increment
suivi de b.increment. J'appelle deux fois la méthode increment de l'objet désigné par b. La première fois, j'obtiens 1. La deuxième fois, j'obtiens 2. Chaque compteur doit mémoriser une valeur. Chaque compteur a sa variable d'instance. Et la notation pointée nous permet de déterminer de quel objet on appelle la méthode. Oui? On va en parler plus tard de ça en long, en large, sur le travers. Mais c'est vraiment, ça fait en sorte que de l'extérieur, il est impossible de parler du non-value. À l'intérieur, oui. Oui. Donc là, c'est là où, si vous imaginez, vous travaillez pour une compagnie bancaire, ils ont un système qui fait 3 millions de lignes de code. Il n'y a pas un grand fichier. Il y a plusieurs petits fichiers. Chacun, c'est des objets. Si dans le compte bancaire, le solde était privé, le seul endroit où on peut changer la valeur du solde, c'est dans le fichier où on a déclaré cette classe-là. Il est impossible ailleurs. Fait que là, on n'a plus d'inquiétude. On travaille avec d'autres gens, on sait, ils ne peuvent pas toucher à mon code, ils ne peuvent pas faire de bêtises. Rapidement, ouais. J'écoute. Get value retourne. Regardez, il y a un contexte. A.getValue. Ce que ça veut dire, c'est va dans l'objet désigné par A. Exécute getValue. GetValue, returnValue. J'ai exécuté getValue sur cet objet-ci. Il retourne la valeur de la variable d'instance value de l'objet désigné par A, c'est 1. J'appelle B.getValue. Va dans l'objet désigné par B. Execute get value, ça retourne value. Value ici avait 2. Chaque objet possède sa propre variable. J'ai deux compteurs. J'ai deux trucs à mémoriser. Chaque objet aura sa propre variable d'instance value pour sauvegarder cette information-là. Okay, je poursuis un tout petit peu. Je fais un test ici. C'est de type counter. Je crée un nouvel objet compteur. Si vous vous souvenez du code, initialement, value a valeur 0. Quand j'appelle la méthode getValue de l'objet désigné par C, ça va me retourner 0. J'ai une boucle. Dans la boucle, à chaque tour de boucle, je fais un appel à incrémente. Je suis allé dans l'objet désigné par C, j'appelle la méthode incrémente, ça a ajouté 1 dans la variable d'instance value. J'affiche, première fois, ça va afficher 1. Nouveau tour de boucle, appel à incrémente, ça va afficher 2. Je vais faire ça 5 fois. À la fin, on s'attend à ce que le compteur désigné par C ait la valeur 4. 5, 4. Ici, ça illustre l'idée de l'orienter objet. Je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas me croire. Ici, je suis dans une classe test. Je ne suis pas dans le compteur. Mais je pense que Marcel, peut-être qu'il avait tort. Moi, je vais essayer de modifier la variable value de l'objet désigné par C. Le compilateur va me dire, non. C has private access in class counter.java. On a réalisé ce qu'on voulait. On a encapsulé dans un objet une propriété, une variable d'instance et ses comportements. Trois méthodes. Incrémente, getValue, reset. Ces trois méthodes-là sont publiques, sont utilisables de l'extérieur. Value était privé. Le compilateur me dit non, non, non. Ce n'est pas qu'elle n'existe pas, cette variable-là.
c'est que tu n'as pas le droit d'y toucher. Fait que là, on a vraiment fait ce que je voulais. Je me crée un compteur, GetValue me donne la valeur. Il est impossible de changer la valeur qui est dans le compteur, sinon que d'appeler Increment ou Reset. Il y a juste ça. Il est impossible. J'ai vraiment bien modélisé mon affaire, là. Puis là, je peux le passer à une méthode. Je lance ça à une autre méthode, je fais un appel de méthode. Méthode a une référence. Cette méthode-là ne peut pas modifier le contenu, sauf en appelant Reset ou Increment. Si cette autre méthode-là appelle Increment, lorsque la méthode a terminé, puisque je lui avais passé la référence, on parlait tous les deux du même objet, je vois l'objet modifié. Cette méthode-là avait fait Reset. Quand ça revient, ah, mon compteur est maintenant à zéro. On peut maintenant passer le compteur à d'autres méthodes. Ces autres méthodes-là ne pourront modifier le contenu qu'à l'aide de Increment et Reset. On a fait un super bon travail et l'orienté objet nous aide à ce que les autres programmeurs ne modifient pas le code sur lequel nous travaillons. C'est probablement là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Donc, comme à l'habitude, si vous avez des questions, je peux être à l'extérieur quelques minutes pour y répondre. Puis, allez sur Piazza pour le fameux exemple que j'ai posté qui contient une subtilité, quelque chose d'important à bien saisir. Ouais. Comme vous avez dit, on peut écrire comme ça pour obtenir un tableau de string. Oui. Mais j'ai besoin d'un tableau de int. Il faut vraiment que... Va pas sur Internet, va nulle part. Réfléchis à... Bon, tu as vu le code que j'ai affiché. Est-ce que tu as reproduit le code que j'ai affiché? Le truc qui faisait une boucle et qui affiche chaque élément. Quand tu repasseras la vidéo, tu vas voir l'exemple. J'affiche le contenu du tableau. Pour faire ça, j'ai dû faire une boucle. Je suis allé de la position 0 jusqu'à la fin. J'ai dû connaître la longueur du tableau. Une fois que tu connais la longueur du tableau puis tu sais te déplacer, tu devrais être capable de faire... Regarde l'exemple. Il y a vraiment... Je pense que c'est important que tu regardes ça et tu dis, OK, il m'a montré quelque chose, la transition devrait être simple et elle l'est. Là. Je pense que si tu ne le fais pas, cet effort-là, si je te donne la réponse, tu n'auras pas appris. Oui. Monsieur, pour le devoir, j'ai commencé le devoir avec NetBeans. OK. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou bien est-ce que je dois utiliser une autre plateforme? Parce que moi, j'ai entendu que tu as déjà dit que Eclipse, ça te plaît pas. NetBeans, c'est la même chose alors. Ce que j'aime pas, c'est ce que je voudrais. Puis tu sais, dans la vie, tu fais ce que tu veux, hein. Mais. Ma grande crainte, c'est que tu ne comprennes pas. Ce que tu... Moi, je fais plus. Je tape sur des boutons et ça marche. Il te dit, il y a une erreur dans ton code, je peux le corriger. Tu dis oui. Tu arrives à l'examen, tu n'es pas capable de faire ça parce que c'est jamais toi qui l'as fait. C'est pour ça, ces outils-là sont très utiles.